Salut tout le monde, c'est Norman fait des Bluetooth. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du livre Radio Mondiale avec Luca. Donc, c'est un livre écrit par Si et édité par la maison d'édition Glénat. Il comporte 123 pages et raconte une histoire qui s'est passée aux États-Unis dans les années 1920. Radio Girl, c'est l'histoire de 6 femmes qui travaillent à l'USRC, United States Radium Corporation. Elles peignent des cadrans de montre avec de la peinture au radium qui est phosphorescente. À l'époque, on garantissait son efficacité car elle participait à l'économie du pays. Les ouvrières pratiquaient la technique du deep deep paint qui consistait à affiner le pinceau avec les lèvres puis peindre pour une meilleure précision. Au fil du temps, elle commençait à se plaindre de douleurs aux dents, au dos et plus généralement aux os. Le radium les grignotait et les détruisait de l'intérieur. Donc maintenant, Lucas va vous parler de son avis concernant le livre. J'ai bien aimé lire ce livre, je l'ai trouvé assez facile à lire et assez court. J'ai juste eu du mal à discerner les personnages des fois, mais sinon j'ai trouvé les couleurs bien et j'ai bien aimé les couleurs phosphorescentes sur la page de couverture. Concernant mon avis, j'ai bien aimé ce livre car il est court et raconte une histoire vraie, ce qui enrichit notre culture générale et on en apprend un peu plus sur l'histoire des États-Unis. De plus, nous avons rencontré l'autrice qui s'est inspirée de ses amis pour faire ses personnages. Chacun de ces personnages est inspiré du caractère de ses amis. Voilà, c'est tout concernant ce livre. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Pensez bien à vous abonner, à activer la cloche de notification et à mettre un pouce bleu sous la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un unboxing de mon auteur préféré, Ken Follett. Vous le savez bien après de nombreuses vidéos que nous avons fait ensemble. Je vous retrouve la semaine prochaine à 11h11. Soyez là.